Comment est-ce? Moi, je suis Mulhomme, mademoiselle. Mulhomme à Suisse. Mulhomme, nous avons besoin de monde. Mais il faut que c'est un monde responsable. Ah, pas de problème ça, même si c'est pour ça, mademoiselle. Je dis ça, mademoiselle. Pas de travail passé. Pour qu'il y ait un bagage qui fait là, nous ne pouvons pas être responsable. C'est peut-être ça, mademoiselle. Nous ne pouvons pas faire notre travail. Non. Où qu'on est? Aïe, je ne sais pas, mais je suis responsable. Eh bien, ok, Milo, ma faire l'eau. Ok? Ok, mademoiselle. Quel phénomène ton postulat de messager? Tu as su qu'il a toute sa tête. Directeur, un peu d'humanité. Les papiers à signer pour le prochain contrat. Moi, ça me donne beaucoup plus envie de pleurer que de rire. Aucun ignorant n'a choisi de l'être. Et si on n'est pas comme eux, c'est une chance. On va rentrer à l'heure nous-mêmes. La plus haut. Oh, oh. Bonsoir, maman. Bonsoir, chérie. Tu as fait mes commissions? Mélissa, oui? Est-ce que tu as pu entrer en contact avec l'avocat? Je l'ai appelé, mais il a dit qu'il doit te voir personnellement. Moi? Oui. Ce qu'il a à te dire est peut-être trop important pour ma petite cervelle. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il a de si important à me dire au point de ne pas pouvoir t'en parler? Qu'est-ce qu'il y a de si difficile à comprendre, madame? Alors donc, Max, si tu savais qu'il voulait me parler d'autre chose, cela suffirait pour que tu piques une crise cardiaque. Quoi que tu te prends, toi? C'est pas date m'a prélé pour venir de me prendre bagaille ou pas jamais venir? Ou qu'elle a pris un pont, Lady Diana? Lady Diana? Ou pas trouver un piba? Oui, en effet. Une bien vilaine caricature. Avoue-le. Tu me dis ça pour me flatter. Te flatter? Après 27 ans de vie commune? Tu le mérites encore. Oh, mon amour. Va vite, mon. Regardez, oh. I like you. Mon amour. Quel amour. En effet, c'est beau l'amour. Surtout entre des gens sincères. Ouais, et puis nous-mêmes, nous ne voulons pas aimer. Pourquoi qu'on ne s'en aimer, Blédi? Puis toi, elle tonne dans des petites filles. Tonne? Pour combien de temps encore? Le temps pour toi de terminer tes études. Oh! Oui, mais... Vos fêtes, c'est pas frédilier. Moi, je me dis que je suis avec Freddy, non? Même pas de monde, nous. Oui, il n'est pas plus mal. Il était venu avant hier. Ok, bye bye. Je n'ai pas d'un baiser. C'est ainsi que tu salues le grand papa? Je t'ai salué, papa. Tu étais au téléphone. Ah, c'est vrai. Je n'ai pas prêté attention. Viens donc me saluer à nouveau. Écoute, Mélissa, j'ai une question et un cadeau pour toi.
Tu fais des choses que seule ma fille ferait pour moi. Dis-moi donc pourquoi. Eh bien, Papido, tu me rappelles étrangement mon grand-père. Tu lui ressembles tellement que je le retrouve en toi. Toi aussi, Mélissa, tu ressembles beaucoup à ma fille. Mais attends-moi. Tiens, prends ce cadeau. Il n'aura peut-être pour toi aucune importance, mais pour moi, si. C'est quoi ça? Eh bien, voilà. Une Bible? Ok, j'apprécie. Merci. Allô, chérie? Comment vas-tu? Où est-ce que tu es là? Je suis à côté. Ok, j'arrive. Ok, d'accord. Bye bye. Je t'ai vu me faire des signes. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais te dire de ne pas trop t'attendre au téléphone. J'ai un ami qui doit m'appeler. Un ami? Mm-hmm. Je ne te suffis plus comme ami? Oui, mais après toi, je dois avoir d'autres amis quand non, même. Non, non. C'est moi et moi seul. Oh, oh. Mm-hmm. Ah, mais bon, gars, c'est formulé. Bon Dieu, ça, bon Dieu, monsieur cela. Parce que c'est le seul à être indispensable. N'oublie pas que c'est lui qui nous enseigne à aimer notre prochain. C'est vrai. Mm-hmm. Aimer, beau verre. Mm-hmm. Toi aussi, tu dois aimer. Ah oui? Mm-hmm. Tu vois ça, toi? Tu dois aimer ton prochain. Mike, pourquoi on est en Goldé là? Moi, j'aime vraiment pas ouais pour qu'ils soient négligés, femmes comme ça. Non, qu'ils sont négligés, non? Bien le contraire. Alix! Donc, nous même garçons, nous n'avons pas réfléchi à lui. Son nez que beau Mélissa sous bouche seulement, ma pas mourir, oui. Et puis, nous même c'est pas beau seulement. Mm-hmm. Tu n'es pas loin de te transformer en enfant de cœur. Il y a en moyenne plus de 6 filles pour chaque garçon. Ça que t'as privé si chaque nez est contenté à comprendre. En tout cas, Dieu l'a établi autrement. Un homme, une femme. Un homme, une femme. Qu'est-ce que tu crois? Il a simplement voulu limiter les dégâts. Allô? Oui, c'est moi. Ah, un moment, j'arrive. Guess what? Mm-hmm. En parlant de la Louve, elle montre son cul. Oh, pas qu'à dire ça l'autre jour. Okay, tu préfères, elle montre ses fesses. Non, ma chère, je veux. Tu ne changeras jamais. Tu as filé comme un lièvre l'autre jour, pourquoi? Mais non, 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 pas du tout. Quand je suis revenu, tu étais déjà parti. Il y a façon d'y remédier de mes soins. Je suis seule chez moi. Passe me voir. Qu'est-ce qui se passe là? C'est pas pour qu'il y ait un problème maintenant ici. Hein? Je ne comprends. Mais nous avons un autre vol, le vol dans un autre nègre. Mais c'est un mime. Même si c'est des amis, ce sont des gens qui étaient bien élevés, ou t'as bien dit qu'on parle dans sa belle. Oh, quand je suis fréquent. Oh, oh. C'est parce que c'est au TP Ballam qui font un peu de mouvement.
ça va? Ça va et toi? Ça va, et ta journée? Pas mal, mais je t'en prie. Pas mal aussi. Écoute ça, la maman se voit très bien. Comment ça, Hans? Tu ne me vois pas? Non, dans ce cadre plus intime. Écoute, viens à la maison, j'ai des poussières de ça à te montrer. Oh, j'aimerais bien les voir. Le chauffeur doit passer me prendre à 2h30 et mon papa n'est même pas au courant. Ton papa? Qu'est-ce que ton papa vient faire dans tout ça? Écoute, dis à ton papa que tu as été prendre une vue chez un ami et que tu rentres pas taxi. Hans, tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa? Il n'aime pas ça. Écoute, laisse-moi arranger ça moi-même et je te donnerai la réponse demain, ok? Anyways, voici le chauffeur, je dois m'en aller. On se voit demain? Bye. Monsieur, ça va marcher là. Allez. Papi? Oui? Est-ce que tu peux demander au chauffeur de passer me prendre un petit peu plus tard à l'école demain? Disons vers 4 heures? Mais pourquoi? C'est qu'un ami m'a invité à aller voir des posters chez lui. Il passe me prendre à l'école. Allons donc, ma chérie. Quelle est cette histoire d'amis qui passe te chercher à l'école? Dis à ton ami que toute la famille aimerait bien voir ses posters également. Papa, s'il te plaît. Écoute, Sarah, il n'est pas normal qu'une jeune fille de ton âge se rende chez un jeune homme. On peut mal interpréter cette visite. Mais pourquoi tu demandes à ton ami de venir à la maison de préférence? Yes, moi aussi j'aimerais voir ses posters. Invite-le à venir ici. C'est mieux. Oui, oui, tu peux entrer. Attends, je vais te coller une cuillère. Dis-moi, si de toute ta vie, tu as déjà goûté à quelque chose de si délicieux. C'est vraiment bon. Qu'as-tu fait de mon cadeau? La Bible? Papi Do, depuis mon enfance, à la maison comme à l'école, on me fait lire, apprendre et réciter par cœur des versets bibliques. Ma position, tu la connais déjà. Dieu n'existe pas. Comment un être qu'on dit si bon arrive-t-il à tolérer que des méchants règnent sur le monde? Pourquoi tant de crimes? Pourquoi tant d'injustices? Ne peut-il pas empêcher tout cela? C'est quand même drôle. Tu aimes partager, tu aimes ton prochain. Et ton respect vis-à-vis des gens est la preuve de l'intérêt que tu portes aux bons principes. Je crois en ce dicton. On récolte ce qu'on a semé, Papido. Attention, il vient justement de celui en qui tu dis ne pas croire. Et merci de ne pas m'étaler cette théorie darwinienne qui laisse croire que nous sommes des descendants du singe. Bon, Papido, admettons qu'il existe un Dieu. Jusqu'à exempter du sort qu'il réserve aux méchants. Je n'ai jamais tué. L'adultère, pas du tout. Et Dieu ne m'en voudra pas d'avoir un homme qui m'aime et que j'adore aussi. Mon prochain, je l'aime comme moi-même. Non, comme il m'aime. Pour reprendre le dicton, aimer mon qui aimer. Et puis tout ça, c'est des détails, Papito. Je ne crois pas en Dieu, ça ne rime à rien. Tu as tort. Tu vois, Dieu a créé l'homme à son image, avec le pouvoir de distinguer le bien du mal. Si nous choisissons de faire le mal, Dieu n'en est pas responsable. Et bien monotone serait la vie s'il devait intervenir dans toutes nos décisions. Bon, Papido, vous avez un tablier. Et vous deux, Zao, ça pense de vous. Bon, ouais, ça, c'est un sujet continuant compliqué, qui est délicat tout. Mais contrairement à ce que vous pensez de vous, en fait, après votre histoire, vous m'attendez moi que c'est vaudouisant. Et vous avez appelé que vous avez deux messieurs qui étaient venus de côté. Mais
Bien, il y a un nègre qui vraiment très déterminé, ouais. Mais je songe que ma tante mère son monde qui est très hospitalier, puis vraiment, c'est la première fois que ma tante mère met un monde dehors la caille comme ça avec fracas. Mais ouais, j'aime jouer là, ma fille, conviction, pam, c'est que le monde fait bien quand on veut, le monde fait mal quand on veut. Papido, qui sont les disciples de Satan? Tous ceux qui ne croient pas en Dieu, sont-ils les disciples de Satan? Je ne réponds pas à une question par une question, mais je me vois bien obligé de te demander qui penses-tu qu'ils sont d'après toi? Des disciples de Satan? C'est ce qu'ils sont pour toi? Ton jugement est bien sévère, ma fille. Il fut un temps, j'étais comme toi. Je ne croyais pas en Dieu, mais pourtant, je n'étais pas un disciple de Satan. J'étais simplement celui qui essayait de comprendre. Et ma conviction à l'époque, Dieu aurait eu la préférence si je devais choisir entre lui et le diable. Position femme, Mélissa. Mon qui fait bien, c'est beaucoup de bon Dieu. Mon qui fait mal, il est campé contre Satan. Quand il y a monde qui dans l'église qui finit à Oyo. Alléluia, alléluia, vive l'éternel. Quand il pisse, parce qu'aucun monde qui est dans la rue, hein, il n'y a aucun contact à l'église. Disciple Satan, c'est mon qui fait mal, qu'elle soit côté le campé. Nous remercions la chorale pour ce si beau morceau qu'elle vient de nous exécuter. Ce matin, nous sommes ici pour glorifier une fois de plus le nom du Seigneur. Mes amis, il y a des gens qui sous-estiment la grandeur de Dieu. Ils cherchent des solutions à leurs problèmes. Mais Dieu est toujours le dernier à être consulté. Dieu a toujours des solutions à nos problèmes. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Une dame avait un fils. Ce fils était malade. Elle est allée consulter un médecin. Arrivée chez le médecin, Madame, le cas de votre fils est grave. Je vous conseillerais de voir un orthopédiste. Le jeune homme risque de perdre le pied. Et si vous n'agissez pas vite, ça peut même lui coûter la vie. C'est vrai que je n'ai jamais été maman. Mais je peux ressentir la douleur de cette femme lorsque le médecin lui a appris la nouvelle, cette terrible nouvelle. Cette femme est allée de médecin en médecin. Li met mal pis loin que ça. Nous comprenons, ça me l'a dit. N'ayant plus le choix, elle s'est résignée à faire couper le pied de son unique enfant. On va procéder à l'intervention, n'est-ce pas? Oui, d'après moi, le membre n'est plus viable. L'infection a provoqué une embolie septique qui entrave la vascularisation. Il faudrait faire une amputation. Attention. Miss, rentrez malade dans la salle. Madame, le cas de docteur, votre fils quittez ça quand même, quittez ça quand même. Ok, quittez ça madame. Mais il faudrait l'amputer, madame. Docteur, nous devons quitter petit, madame. Ok. Maman. Il sera bien qu'à faire mal comme ça. Qu'est-ce qu'on fait, non? Oh, petit, moi. Pas qu'à pas mon n'a pas réglé ça. Je vais souffrir, toi. Mm.
éternel papa, non. Pas quitter au couper pied seul petit garçon, non, non. Comment l'a fait porter son seul pied si un jour t'es malade? Si c'est péché mieux qu'il m'a comme ça, papa. Je suis au bout moi. Pitié ma mando, papa. Pitié ma mando. Il me dit bon Dieu merci pour guérison. N'est-ce pas merveilleux, frères et sœurs? N'est-ce pas merveilleux? Cette femme avait la foi. Et la foi, elle t'est guérie, celle petite garçon, elle t'est guérie. Amen. D'accord, comme c'est dit. On se reparle. Bye bye. Et si tu me disais comment ça s'est passé avec elle? Ah, très bien. Sauf que je me sens un peu coupable. Mélissa ne mérite pas ça. Tu n'es pas obligé. La prochaine fois, envoie-moi à ta place. Et qu'est-ce que tu vas faire de... Comment elle s'appelle encore ta copine? Sabrina. Oh, bah, qu'est-ce que tu as fait là? Je ne sais pas si tu as fait. En tout cas, je ne sais pas si tu as fait. Ça a une chance pour moi. Pourquoi on est-ce que tu es dans la place où tu as fait camper? Où est-ce que tu as fait camper? Camper raide. Frère Lewis, je connais. Alors faites attention. Nous ne pas le joindre. Nous avons joué 4 sous table. Ma fille, on t'a fait attendre. C'est Foyelius qui m'a donné ce retard. Comment ça va? Tu as bien réfléchi? À bien réfléchir, Papido, je pense que je n'y arriverai jamais. Cette sorte de croyance ne va pas avec mon tempérament. Il est même bruit qu'une fois qu'on y adhère, plus de balles, plus de clubs, plus rien. Et moi, j'adore danser, Papido. La musique, c'est ma passion. Quel ignorant insinue de pareilles bêtises. Comme quoi, si tu acceptes l'évangile, tu ne pourras plus danser ni écouter de la musique. Ma chère, crois-moi, danser et écouter de la musique n'est pas interdit. Le compas, le zouk, ce n'est pas ça qui dérange. Ce qui dérange, c'est le comportement, les excès. Mais la musique, allons donc, ma chère. Moi aussi, j'en raffole. J'aime bien mon petit troubadour. Il y a un problème, oui, Fredo. Elle ne pourra pas, non? Parce que... La loi est stricte au sujet de la vie moderne. Qu'est-ce qui t'arrive, Félix? Tu es tombé sur la tête. Quoi? Pourquoi, Fredo? Excuse-moi, mon frère. Tu dois être tombé sur la tête. Pour dire à une jeune fille de cet âge de se priver de tout ce qui pourrait faire plaisir à son cœur sous prétexte que c'est défendu par l'Église. Maintenant, je comprends pourquoi il y a si peu de jeunes dans le monde évangélique. C'est à cause de gens comme vous qui leur font des exigences stupides. Écoute, ma fille.
Le fait d'avoir Jésus dans ta vie ne saurait te priver de ses distractions. Cependant, comme un chrétien, tu dois être un modèle. C'est pour ça qu'on a mis des balises. Étant donné qu'il y a des nightclubs et des discos qui sont des lieux publics, qui reçoivent tout type de gens, il y en a qui ne viennent pas pour danser. Ils viennent pour la violence, la drogue, par exemple. Mais dans ce cas, c'est une fête de salon, les gens se connaissent. Entre amis, il n'y a pas de risque, c'est tout. Non, Fredo. Ça, pas d'accord à vous. Frédus, qui ça qu'il faut pas d'accord? Non, Fredo, pas d'accord. Si on a bâti mon dans l'évangile là, c'est pour parler bien. Les fêtes pour recevoir l'évangile là, selon les saintes écritures. Selon les saintes écritures, pas vrai, Félix? Chaque soir, lorsqu'on saute dans le kil, on plonge sur Jacqueline, on sort jusqu'à minuit. On partit dans les écritures qui dit ça. Oh! Quand on joue une bagage à Fredo? Puis tu occupes le bout de bois qu'il y a un jour là, avant de dire pas que petit là donné. Fredo, t'allez. Qui l'autre monde qui compte bagage ça? Pas un peu de monde. L'église seulement. Je te dis, c'est Jacqueline, nous pas qu'à faire bagaille là comme ça. Écoute, Mélissa. L'idée d'avoir Jésus dans ta vie ne fait pas de toi une prisonnière. Au contraire, tu seras libéré de tes péchés et comme ça, tu pourras aller où tu veux, quand tu veux. Mais tu n'oublieras pas qu'un serviteur de Dieu est toujours un modèle. Il doit modérer son langage, avoir une bonne conduite. Oui, mais Papido, je suis bien là où je suis. Tu ne vas me demander de changer de religion. Je ne me rappelle pas t'avoir demandé cela. Ton église, c'est toi, c'est ton cœur. Il te faut tout simplement une assemblée de prière. Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux, dit l'Éternel. N'est-ce pas, Frère Élis? Oui. Certes, je suis convaincue, mais je pense que ça mérite un minimum de réflexion. Ok. Es-tu disposé à prier avec nous? Ô toi dont les bienfaits ne t'arrivent jamais, ô Dieu de paix, guide-nous. Indique-nous la direction à prendre. Daigne bénir cette jeune personne et ne vois aucun inconvénient à s'agenouiller devant toi, à t'adorer. C'est un grand pas vers l'accomplissement de ton œuvre. Ah, ce sont les posters, merci. J'arrive, hein? Maman, voici les posters. Hans, dis-moi, jeune homme, d'où t'es venue l'idée d'inviter ma fille chez toi pour voir des posters? Oh, on pensait travailler les mathématiques aussi, monsieur. Ah, les maths. Seulement les maths. Fais attention, jeune homme. En dépit de son apparence, ma fille n'a que 16 ans. Merci, Hans. Tu me les donnes? Bien. Écoute, chérie. Lorsqu'une institution internationale fait un décaissement au profit du bureau, au nom de qui a été mis le chèque? En ce qui nous concerne, c'est Mike qui endosse cette responsabilité. Bien. Je comprends. Si par hasard, il a un accident, je voulais dire un empêchement, tu pourrais aller vider le coffre. Tu t'imagines, 250 000 dollars verts, c'est pas mal quand même. Si on provoquait cet accident. Quoi? Dis-moi que tu plaisantes, 250 000 dollars ne peuvent pas acheter une vie. Oui, mais ils peuvent aider à bâtir une vie. Bâtir, mais très mal en tout cas. Oui, mais bâtir quand même. Maggie, il faut te dépêcher.
Je suis confuse, Seigneur. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu es là, que tu es vivant, que tu existes. Accorde-moi la chance de me montrer par un signe que tu existes, au moins. Je suis là. Mets-toi, ma chère. En fait, bon programme l'église là. En allez, non, sans penser. Bon, ça. Et puis, baguette pour me perdre, hein. Mélissa, ou baguette pour me perdre, l'église. Ma chère, dis bagay pou gen rezon, tande? Conseil m daba ou an ale. Le message d'aujourd'hui nous parle de Joseph et de ses frères. En vérité, je vous le dis, Dieu a créé chacun de nous avec la liberté de croire dans son existence ou de ne pas croire, avec la liberté de le servir ou de ne pas le servir. Demander à Dieu de prouver son existence relève de l'ignorance et de la vanité. Frères et sœurs bien-aimés, la nature autour de nous, dans ses bienfaits, dans sa discipline, dans toute sa splendeur, n'est-elle pas la preuve de l'existence? Je comprends. Quelle est sa vie me parler là? Imaginez au matin, on se prie ce mental-là. Ma petite colère, on se dehors. Puissance. Il n'est pas un exhibitionniste. Encore moins un one-man show qui se donne un spectacle sur commande. Vous voulez une preuve? Allez vous regarder dans un miroir. Vous avez été créé à son image. Vous êtes sa plus belle réalisation. Grand est le pouvoir de l'homme quand il accomplit le dessein du Très-Haut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Comment ça, rien? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Écoute, tu m'as rien dit concernant ma proposition. J'ai parlé à Mélissa, elle m'a fait savoir que je suis pas encore là, que je dois attendre. Attendre pour combien de temps? Oh, le temps pour moi de terminer mes études. Oh! J'ai eu moi aussi cette même réaction. Ma soeur est très formelle. Eh bien. Quand je suis avec toi, je me sens comme un paradis. Ah oui. Je voulais te dire la même chose, mais j'ai hésité parce qu'on dit qu'il faut mourir pour aller au paradis. Comment tu as peur de mourir? Moi, j'ai surtout peur de souffrir, tu sais. Ah oui. Oui. Tu n'as pas peur de mourir? Non. Eh bien, je vais te tuer. Non, 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 non. D'amour. D'amour. Je te trouve plutôt rire, non? Qu'y a-t-il de si particulier? Rien. C'est peut-être le cas de tous ceux qui croient avoir Jésus en eux. Dis, tu aimes Jésus? Jésus. Oui. Et si comme tu le prétends, il est en toi, je t'aime encore davantage. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les maths. Les maths. Enfin, tu as trouvé moyen de te débarrasser de ton papa pour qu'il te laisse venir ici seul. Il faut dire que j'ai négocié un tas de choses. Je lui ai même promis de tout raconter à mon retour. Pourquoi? Es-tu obligé de tout raconter à ton papa? Non. Ah, voilà qui est message. Mais s'il me demande... Écoute, Hans, tu ne peux pas me demander de mentir à mon papa. Il me dit souvent qu'un mensonge entraîne un autre. Imagine-toi qu'il m'appelle, il me demande où je suis. Je lui dis chez Molly.
C'est un mensonge. Qui me demande qu'est-ce que je fais chez Marley? Je dois lui trouver un autre mensonge. Autant de questions, autant de mensonges. Le mensonge, je l'ai dit, Hans. Je ne suis pas belle, mais je ne veux pas être laide non plus. Ne dis pas ça, mon amour. Tu es très belle. Bon, les jours passent vite, n'est-ce pas? Mais oui. Et puis, c'est pas la fin du monde. Excuse-moi, ma fille. J'ai à te parler. Assieds-toi, papa. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vraiment, rien de spécial. Sinon, j'ai noté un certain changement chez toi. Je ne vais pas trop me mêler de tes affaires, mais... Dis-moi, ma fille chérie, qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien, papa. Depuis des jours, je ne fais que méditer. Si quelque chose n'allait pas, je te l'aurais signalé. Tu le sais, papa. Mais qu'est-ce que tu dis là? Les Saintes Écritures, la Bible. Oh, bien bonne lecture. Mais ne laisse pas tes méditations t'isoler de tes êtres chers. Nous lisons tous la Bible dans la famille. Mais personne n'a jamais eu jusqu'ici ce genre d'attitude. J'espère qu'il ne me sera pas interdit de toucher aux Saintes Écritures. Oh non. Non, ma fille. Depuis ton enfance, tu étudies la Bible. Je ne vois pas pourquoi cela devrait entraîner une différence entre nous. Mais l'excès t'ennuie, mon enfant. Tu dois te quitter. Papa. Mike! Ah. On est gâté, ça me donne dans la rue, hein? La journée passe, j'aime passer, ça pas charge avec geste stupide, là, même. Imaginez, on a rampé, bloqué circulation, tout le monde a plaqué comme si de rien n'était. Et puis c'est en premier qui a demandé pour me respecter. Une fine descente, mal. Chut! Il faut faire attention à ce que tu dis. On nous écoute, tu sais? Qui nous écoute? L'Esprit Saint, mon cher. Ah. L'Esprit Saint à travers Jésus. Attends-moi, j'arrive. L'Esprit Saint. Il y a le problème avec Joseph là, oui, là. Mais c'est pas le beau grand saint seulement, lui-même. Dis-moi, chérie, as-tu déjà donné une petite place à Jésus dans ton cœur? Ça vaut la peine d'essayer. Crois-moi. Ça me découvrira, c'est ça. Bonjour, maman. Bonjour, chérie. Bonjour, pas. Bonjour. Ça va? Allô? Mais dépêche-toi, c'est toi qu'on attend pour manger. D'accord. Tu n'as rien remarqué? Depuis quelque temps, Mélissa n'est plus la même. Ne t'en fais pas. Le nécessaire sera fait avant qu'il ne soit trop tard. Les normes familiales exigent que nous dînions ensemble le dimanche. N'est-ce pas, Mélissa? Oui. Et pourquoi se manquer aujourd'hui? Je m'excuse, papa. Pour éviter tout ça, je vous suggère de dîner sans moi la prochaine fois. Pardon? Mais je reviens de l'église. Je ne pouvais partir avant la fin de la cérémonie. Ok, ça passe aujourd'hui. Mais la prochaine fois, prends garde à toi. D'ailleurs, dimanche prochain, c'est moi qui t'amènerai à l'église. Ça alors, c'est la première fois que j'entends ça dans cette maison. Même dans les circonstances les plus drôles, tu me laisses toujours décider seule. Et voilà qu'aujourd'hui tout a changé. Cette attitude ne te ressemble pas, père. Grand monde, une attitude moins vraie. Non seulement tu nous fais attendre, maintenant, tu te moques de nous. Je ne vois pas la raison de tout ça. Mais toi, discute et regarde-toi.
Tiens, mémé, je t'apporte à manger. Je ne vais pas manger. Pas faire ça, non? Ou qu'on ne va pas? Laisse avec sa crise et sa coup de colère. Et puis, si tu veux me tourner à manger, à ma pointe. On a dit. Oh, oh. Je ne comprends rien, Papito. Je me suis disputée avec mon père. C'est la troisième fois en une semaine. Au bureau, c'est la même chose. La collègue me trouve différente. Mes amis disent ne pas me comprendre. Sache qu'il n'y a pas de rose sans épine. Toutes ces contrariétés sont pour tester ta conviction. C'est à toi d'être vigilante. Je sais que les choses vont se détériorer davantage quand j'apprendrai à mon père que je dois partir en mission dans le sud. Ma fille, il est écrit. Si tu abandonnes ton père et ta mère pour moi, je ferai mon esprit habiter en toi et tu seras à jamais soulagé et consolé. Ils m'ont donné la vie. Je leur dois respect. Penses-tu que mon attitude est correcte? Il m'est impossible de remplacer mes parents. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout ce qu'il fait est bien. Il n'est pas donné à tout le monde de bénéficier de sa grâce et de le servir sincèrement. Ouvre ton cœur. C'est de là que partira la vérité. Que la paix de Dieu soit avec toi, ma fille. Mon chemin, on ne pas si Mélissa. Depuis quelque temps, elle s'est fourrée dans une affaire d'église, de mission. J'en ai marre, j'en peux plus, moi. En fait, comment ça, boy, là, je ne peux pas dire parole ta fait là. Mais en place où, c'est prier, je vais prier, oui. Si on a qui ça, mesdames, avant de tête, c'est juste que tu as dit bon Dieu merci. Pas comme tout, j'ai un gêne pour ça, mais ça va être grand. Ça va être grand monde. Et mon ballon entre dans vos destins. Monsieur Fouchard? Ouais. Mon congé, s'il vous plaît. Mais Mélissa, ça fait longtemps que vous m'avez parlé de congé. C'est vrai, mais j'ai décidé de faire du tourisme local. Ah. Je vais plutôt participer à une mission. Une mission? En deux ans. Ok, chérie. Je prends mon congé moi aussi et on part pour Paris. Il y a des tas d'amis qui nous attendent là-bas. On n'aura absolument rien à dépenser. Non, Mike. J'ai donné mon mot. On a toute la vie pour voyager. Je vais consacrer un peu de temps au Seigneur, tu comprends? Tu as donné ton mot sans me consulter. C'est parce que j'avais la conviction que tu accepterais. Eh bien, je te dis que non. Ok? Et puis que ça soit à Paris, que ça soit à New York, tu peux faire ça n'importe où. Aller jusqu'à Jacmel, dans une chajacragée où tu ne seras même pas en sécurité, c'est de la folie. T'en fais pas, Mike. T'en fais pas. T'en fais pas. C'est tout ce que tu trouves à dire. J'ai fait des tas de planifications et c'est ça ta décision. Je n'ai pas le choix, chérie. Tu n'as pas le choix. En tout cas, je vais te dire une chose. Ce n'est pas une suggestion que je te fais. Ce n'est pas un ordre non plus. Mais tu dois choisir. Mike! Mike! Seigneur, me voilà obligé de choisir entre toi et l'homme que j'aime le plus au monde. Je remets tout en tes mains. Je suis convaincue que tu vas me montrer le chemin. Voyage au soudé pour moi. Pas qu'il t'en craigne, je vais soutenir tête lit. Mélissa, tu ne laisseras cette maison qu'à la seule condition de ne plus jamais y remettre un pied. On a tout
fait pour essayer de te raisonner. Mais toi, tu n'as fait qu'à ta tête. Mélissa, tu connais ton père. Obéis donc à ses ordres. Tu ne peux pas aller seule si loin. Tu sais que c'est dangereux. En plus, tu travailles. Maman, toi aussi? Ah non, c'est pas vrai. Tu peux pas comprendre. J'ai donné mon mot. Ma décision est prise. De toute façon, c'est pas la fin du monde si je ne remets plus les pieds ici. Chérie, tu es sûre de ce que tu fais? Tu es jeune. À ton âge, on n'abandonne pas ainsi ses parents. Tu veux laisser des activités professionnelles? Non, maman. Je veux profiter de mon congé pour faire quelque chose d'inhabituel. C'est tout. Ah. Toi, tu peux tout dire à ton papa. Pour moi, c'est le contraire. Si je lui confie quelque chose, c'est des injures à n'en plus finir. Je n'ai personne pour m'écouter à la maison. Mon papa me dit toujours qu'il est mon meilleur ami et qu'il a des conseils qu'aucune amie de mon âge ne peut me donner. Voilà un beau papa. Si tous les enfants du monde pouvaient avoir un père comme lui, nous ferions moins de bêtises. Mon père lui ressemble à celui de Sarah, avec la seule différence qu'après s'être confié à lui, je peux très mal m'en tirer. Papa m'a mal côté pour me dire j'ai été chez un ami, on s'est embrassé, c'était bon. Après la conversation finie, je sortir deux ou trois ralentissements par plus. Qu'est-ce qui ne va pas, Sarah? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses me demander? Écoute, c'est à propos de la fille, je m'excuse. C'est une amie de ma soeur. Pourquoi cela me regarde, c'est une amie de ta soeur? Et même si c'était ton amie? Non, avoue que tu as une drôle façon d'accueillir les amis de ta soeur. Bon, ok, je te promets que je ne vais plus recommencer. Sarah! Va venir ou même là? C'est dans la paix. Moi, assister à un assassinat d'un jeune homme qui laisse le frère et soeur, personne n'a connu. Tad. Sam. 3,9 mm. 3,38. Un excellent guerre d'après. Jamais je n'aurais cru qu'elle m'aurait laissé tomber après mon ultimatum. Je l'ai fait pour l'obliger à revenir sur sa décision, mais ça n'a pas marché. Elle est partie pour combien de temps? Je ne sais pas, peut-être un mois. Je ne sais pas, je ne suis pas habitué à ces histoires-là. Waouh, un mois de plaisir, tu es un homme riche. T'as rien compris. Je lui ai demandé de choisir. Et puis? Elle m'a laissé tomber. Quoi? Je suis seul maintenant. Alors, vive la vie. Une de perdue, 10 de retrouvée. Amuse-toi et sans retenue, mon frère. Amuse-toi. Je ne sais pas si tu n'as pas de dans mes mains, c'est pour ça que j'ai ton machine neuf pour. Bon, je crois que c'est famille bon qu'on est. Qui sont-ils pour vous? Qui sont-ils pour vous? Là, je suis là.
prendre au Tintin. Pourquoi ça m'a voulu tout y'aime pour lier? C'est pas pour être pris volé, mioude. Hey! Attends, moi, pas fini. Pour tout sacrifice ça, on m'a fait pour vous, c'est mouvement ça pour mettre moi. Hein? Oh, non, mais c'est. Hein? Ça capon là. Pourquoi ça va regarder? Pourquoi ça va faire déranger moi? C'est. Yon nan nan mouyo ça tout? Ou pas qu'on est? Il fait mal. Je vais vous mettre lui. Ça vous te remettre lui cool. Regarde que j'en mets ça. Il casse une. Ouvre le pour le casser l'autre. Attends. Avant d'avoir ces glaces pour moi. Vous avez un problème? Bonsoir, monsieur. Je connais ça me fait pas recommander, mais. Mon difficulté. Au cas de déposer un bureau? Ah, vous avez de la chance, mademoiselle. C'est un honneur pour moi de vous déposer. Je suis Mélissa Duplan. Moi, je suis maître Verlin Victor. Mais je ne m'attendais pas à trouver une si belle âme dans un endroit aussi dépeuplé. Serais-je indiscret de vous demander pourquoi vous voyagez seule en ces lieux? Je vais à Marigot pour une mission évangélique. Le camion dans lequel je voyageais est tombé en panne. J'ai donc décidé de continuer à pied. À pied? Mais dites-moi que vous plaisantez. Vous risquez de marcher toute la nuit. Ben, vous savez, Satan essaie toujours d'interrompre l'exécution des œuvres de Dieu. Très intéressant. Très intéressant. Il faut dire que je ne devrais pas non plus me retrouver ici. Dieu arrange toujours les choses en faveur de ceux qui croient en lui. Combien de kilomètres me reste-t-il à parcourir pour arriver là-bas? Ah, très difficile à évaluer. Vous risquez d'arriver très tard dans la nuit, alors je vous conseillerais de passer... la nuit chez ma tante, et comme ça, demain très tôt, je pourrai vous déposer. Ah, ne vous inquiétez pas, j'ai beaucoup de respect pour les femmes. Montez, je vous en prie. Maggie? J'ai suivi ta conversation l'autre jour avec Alex. Tu penses que c'est correct? Ça risque de très mal tourner. Cynthia, thank you. Thank you, Cynthia. Si tu as besoin de moraliser, tu as dernier monde qui t'a venu dans la tête. Et puis avant que je n'oublie, je trouve que tu es trop familière avec mon homme, ok? Yeah. Chérie, fais-le pour moi, non? Ou pas qu'à refuser ça? Dame, toujours là pour m'exécuter tout ces caprices. Comment, Maggie? Tu as tombé sur la tête? Je dis non. Tu n'as pas trouvé mieux à me proposer? Chérie, c'est ta façon là, cocotte. Ces émotions, ça ne va pas passer. Dame, je connais son monde. Ou pas qu'il y a des bagailles pour faire, non? C'est moi qui ai fait toutes les bagailles net, oui. Tu ne me crois pas capable de le faire? Ou pour rien? C'est moi qui ai fait toutes net. Oui, mais je me sentirais coupable au même titre que toi. C'est d'ailleurs moi qui t'ai mis au courant. Si je n'ai pas dit toute l'idée, ça ne va pas bien me monter dans la tête. Oui. Chérie, pourquoi veux-tu en faire un drame? Des gens disparaissent à longueur de journée dans ce pays. Et personne ne met la main au collet des assassins. La terre ne s'arrêtera pas de tourner pour si peu. Elisa, votre chambre est prête. Merci. Je peux encore vous offrir quelque chose? Non, ça va, merci. Ok.
Votre attitude témoigne d'un profond respect pour les autres. Ordinairement, ce sont des gens qui éprouvent la crainte de Dieu qui agissent de la sorte. Bon, ce n'est qu'une question d'éducation. Je suis né et j'ai grandi moi aussi dans une famille chrétienne. Cependant, je me suis écarté des préceptes de l'Église à un tel point que je peux dire maintenant que je me suis complètement éloigné des choses spirituelles. Pourquoi un tel revirement? Vous ne devriez pas? C'est une longue histoire. Il faut cependant reconnaître que tout ce qui est imposé conduit à la révolte. C'est un grand tort que les parents chrétiens font à leurs enfants. Moi, j'allais à l'église par peur de punition, par obligation, que par volonté ou par amour de Dieu. Personne ne cherchait à édifier mon âme, je ne sais pas pourquoi. Pour mes parents, c'était pas important, j'étais un enfant. Et j'ai grandi comme ça, avec une certaine liberté. En matière de religion, mon cher, les hommes doivent se reprendre. Mon petit ami, par exemple, il ne voulait pas que je me rende à cette mission. Il m'a même posé un ultimatum, choisir entre lui et Dieu. Je ne l'approuve pas du tout, je ne l'approuve pas. Choisir entre lui, le temporel, le faible, et Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, non. Il n'aurait pas dû vous demander une chose pareille. Il a peut-être agi sous le coup de l'émotion. C'est un type bien. Un type bien? Un type bien ne réagirait pas de cette façon. Moi, à sa place, je ne vous laisserai pas. Je ne vous ai pas dit qu'il m'a laissé tomber. Oh, c'est tout comme. Vous savez, la nature a horreur du vide. Il faut appeler un chat, un chat. En partant comme ça, il a coupé les ponts. Écoutez, je ne veux pas associer Dieu à notre situation, mais ce n'est pas un simple hasard qui nous a mis sur le même chemin. Dieu a fait des merveilles dans ma vie et s'il veut vous ajouter à la liste, ce serait extraordinaire. Dans l'exercice de mon métier, j'ai rencontré beaucoup de femmes, de très belles femmes. Mais aucune d'entre elles ne m'a autant imprégné. Excusez-moi, je reviens. Seigneur, sois femme là. Quand j'ai une qualité de garçon, ça veut me mettre devant là. C'est ma femme, Mike. Victor, vous avez eu le temps de dormir? Je n'ai pas passé 10 minutes dans les toilettes. Ouais. Je comprends pas. Mélissa, j'ai vraiment envie de dormir. Vous devriez dormir vous aussi. Vous savez, on doit se réveiller tôt demain pour reprendre la route. Victor. Donc, je ne travaille pas pour si peu. Je suis passé prendre la balance. Elle n'a pas de prix, cette balance? Bien sûr que non. Mais c'est pour ça que j'utilise ce moyen. Ah, elle est assez exigeante. Bonne route, Mélissa. À partir d'ici, c'est moins dangereux. Tu auras le temps d'arriver avant la nuit. Merci. Ouais. Dieu te le rendra. Peut-être qu'un jour, on se reverra. Je l'aurais souhaité. Allez, bye. Bonne route. Merci.
Bon, pour Monsieur Boujol, qu'en est-il? On a reçu 7 caisses sur les 10, monsieur. Qu'est-ce qu'on a fait des 3 autres? C'est le directeur adjoint qui s'en est occupé. Ah, tiens, le voilà justement. La livraison de Monsieur Boujol. Ah, je viens juste de lui parler. Le nombre est exact. C'est lui qui s'était trompé. Formidable. Je tiens à ce que nos clients soient bien servis. Évidemment. Ça passe au Mbadron dans le club là. Ah, me font vieux rêve hier soir. Ça dérange. Qui rêve ça? Moi, j'aime rêver. Ma marche avec Mélissa, puis on est qui décide de mettre en mur entre moi-même et lui-même. Tout ça me fait pour empêcher de monter mur quand même. Et puis son aigle qui vient avec un tracteur qui crase le mur. Mike, c'est sérieux, faut briller fort, oui. Ben, ça est mauvais signe. Ben, de là, qui l'a rentré la caille à soi? Le habituel, 8 heures. Oui, ça. Regarde, tu es quand tu es un petit Jean Pibon. Tu es capable d'entrer du tout le tapis bon parce que, comme dit, moi-même, tu me fais un mauvais rêve. Mike, là, tu m'as Fabio là, man. Pourquoi de malgré la qu'on c'est pour la demander, man? Mais bon, t'as qu'à en famille. Papa, frère, cousin, bopel. Oui, allô? Pourrais-je parler à Alex, s'il vous plaît? Allô. Ah, ou déjà qu'on position sur ce dossier. Relé Magui parce que moi-même, bah, ça vraiment pas intéressé. Non, plutôt check à Magui pour bah, ça. Plutôt check à Magui. Ok. Fait quoi, c'est qu'on voulait? Magui. Attends, Mike. Magui, quittez ça. Magui, ma travail dur, ma bonne toute l'argent. Mm-hmm. Ma bonne même courage travail, Magui, mais tant pis. Pourquoi qu'elle termine la machine, non? C'est un peu à moi. Ok, bon, je vais régler tout le bagage. Vous êtes sûr? Ouais, je vais avoir une nouvelle bientôt.
Mon ami, vous campez exactement devant barrière. Excusez-moi, brother, c'est un monde qui m'attend là et puis un petit cabiche après moi. Ok. Vous voulez me faire un petit bac pour? Yeah. Belle voiture. Allô? Non, chérie, je ne vais pas faire ça. C'est la police qui a fait fouiller dans la zone comme tu as. Et. Baba était tout bon. Ou qu'on aime pas, j'aime faire comme manquer. Assoir, après ça quand même. Ok? Relax. Ok. Get! Et qu'on y a un peu de menti. Bon, ok. Qu'on s'en prend le fait. Max? Oui. Depuis des jours, on est sans nouvelles de Mélissa. Peut-on tolérer pareille situation? Si tu ne l'avais pas engueulée, elle ne serait pas partie comme cela. Nous saurions au moins où elle est. Je commence sérieusement à m'inquiéter. Moi, je n'ai aucune inquiétude pour Mélissa. Elle a fait son choix. Elle est une adulte, elle fait ce qu'elle veut. Tu ne trouves pas que tu es trop sévère envers elle? Et puis, quand tu piques tes crises, personne ne peut t'arrêter, ni te ramener à la raison. Marie-Alice, Marie-Alice, qu'est-ce qui te prend? Tu as attendu près de 15 jours pour me faire un reproche sur une décision prise. Vraiment, vraiment, je ne te comprends pas. Je suis sa mère et j'ai le droit de m'inquiéter. Bonsoir madame. S'il vous plaît, mon ca joine au côté pour passer nuit là. On pral loin. On pas gèt arrivé. M'a paye oui. Bon ici là pas gen bagaille comme ça. Ou ca dormir ici là, on pas paye pour ça. Oh, merci madame. C'est qui côté ou pral aller pour marcher là comme ça? Ou même venir chercher. Moi même. Et qui est-ce vous yo? Papa ou? Papa nous toutes. Papa? Mais papa, c'est diable dans la vigne. Diable en bas Saint-Bazoulou. Qui pas j'aime quitter ou venir chercher personne bon ici. Là. Ou bien les fatigués. Pas quand t'as pas une démonstration. Annaline. Merci, madame.
Mais nous prenons, les manger, tout manger. Allons, belle bœuf, papa. Demain matin, mettez-le dans le bœuf pour nous voyer le port presque. Oh, oh, où là toujours? Mais oui, je suis fatiguée en pile. Vous connaissez deux mêmes bralés? Quand tu lis, je suis là. Faut aller lire, vous entendez? Oh, et moi-même, regardez, on va faire. Elle met elle n'a pas mis l'autre pour voir la ville. Je ne connais si la cour ici, pas la cour ici encore. Qu'est-ce que Pichoun, Pichoun, papa. Baissez, bouton du papa. Mais, bouton. Parce qu'elle est l'abdomen, bouton. Ok, papa. Allez, garçon. Ok, papa. À deux doigts de la mort, hein? Votre ami vous a sauvé la vie. Mon ami? C'est pas votre ami? Ah, le voici. Bonjour, docteur. Comment allez-vous? Ça va. Enfin, tu es réveillé. Tu commençais sérieusement à m'inquiéter. Ça va mieux? Oui. Tu m'as sauvé la vie. Tu m'as sauvé la vie. Alors, j'aurais pu être à ta place. La vie, c'est comme ça. On doit s'entraider. Mélissa! Mélissa! Oufo! Moi, je suis là depuis 30 ans. C'est la première fois, oui, mon bail. Qui ça? Ou pas pour contour. Ou t'es un gros fossou. Ou prête pour une bonne valeur comme on dit. Pour bon me soit servi, pour me prendre, mettre sous sa main. Solange. Ça m'a servi en suffit pour. On pas besoin en rien avec elle. D'ailleurs, c'est un homme qui est très jaloux. Mais mettre la croix tremble le matin, oui. Pourquoi j'aime mon bail comme ça? Eh bien, Solange, c'est même mon ça. Il voit un bon message là. Où est-ce que vous jouez? Où est moi-même que vous regardez là? C'est mon travail pour l'église.
pour me faire business au marché. Les affaires au fin marché. Ou tout ne vient pas. Solange, ou pas parler de mon l'église. Soit l'un livre baou. Ou pour le salut personnel. Tourner dans la cour. Alba et message là. Vérité à ses seuls gommettes là. Pourquoi m'y a assez force pour m'entrer dans ce que je demande là? Je ne sais pas comment je demande qui j'aime gérer mettre la cour. Et puis je demande pour mal parler avec l'autre monde. C'est là moi tout de suite, oui. Ou pas besoin d'inquiéter, Solange. Pas de condamnation pour les gens qui choisissent faire bien. Pour les gens qui servent Jéhovah. Et puis je t'ai oublié de dire. L'or est un moment difficile. L'or n'est pas clair, ni devant ni derrière. Mon clé c'est Jésus sauver. Ah, pourquoi je prie pour bagaille ça ou me faire son gros dossier? Non, bye bye. Esprit bouleversé, pas tant d'aime pas ouais. Ça passe le diable. Ou un problème? Oui, un problème. D'habitude, je l'aime toucher. Pour tout le monde, que les fêtes, que le pas fait, je vais remettre comme ça. Mais, je ne vais pas manger comme ça. Je ne vais pas tout le monde qui sauve la vie. Et je vais tout dire ça. Ton éboulement sain, si on branche cheveux tombé dans la tête, monsieur, je ne vais tout ni ou même ni Maggie. Vous comprenez? Léon, vous déjà une position dans la ça. Ce n'est pas moi pour vous, c'est Maggie dans le. Écoute. Tu remettras ça à Maggie, de ma part. Tu le diras que c'est le retour de la balance. De la balance. De la Seulement Solange! Solange! Annette, je connais pas si y a des bagages à l'arrivée ici. Mais pour ça, moi, petit petit, ça a réglé sous nous. En tout cas, faites très attention pour ne pas avoir des bagages à l'arrivée. Moi, je ne sais pas si petit petit ça a sorti pour te venir avoir des bagages à l'arrivée. Et surtout, mon y a plein, yo dit. Yo pas comprenant rien, yo attitude ou changer. Ça c'est pour. Hey, pas faire mal comme ça. C'est pas pour faire petit choual qui est avec le monde. C'est pas sous le monde ça, m'a aimé à voler, oui. Peux tirer des pieds devant sous moi, t'en prie. Quelle est cette histoire de balance que Léon m'a chargé de remettre? Calme-toi, chérie. Léon t'a son bagage même, il va te faire payer. Payer qui ça? La balance. Pour qui tu me prends, Maggie? Pour un imbécile? Qui sort un bouffon? Entre nous, ne me dis pas que tu t'es mis en tête que j'ai couché avec lui. Pour ta gouverne, je te signale qu'il n'est pas du tout mon genre. Donne-moi ça, je vais m'en occuper. Maggie. Qu'est-ce que tu veux? Chita! Attendez non. Ça me fait avoir là, c'est un bagage confidentiel. C'est pas ni zamon ni couteau là que tu fais me faire. Je ne vois pas. C'est pas français me vient parler avoir. Bien sans goût de mettre Alex là pour qui ça?
Si je suis frappé, vous sortez jeune, non, parce que ça seulement tapé. Il n'y a pas prétendu. Je n'ai rien précisé, Alex. Oui, mais il a tout compris. À ses yeux, je suis une prostituée. Bon, il y a une différence. La prostituée le fait pour subvenir à ses besoins. Parce que toi, tu détruis la vie de quelqu'un que tu ne connais même pas pour t'enrichir. Tiens, tiens, un assassin qui me fait une leçon de morale, c'est jamais vu. Je ne suis pas un assassin, je suis un professionnel. Éliminer un salaud pour moi, c'est rendre justice dans un pays où la loi est méprisée. Tandis qu'au même, où sont salauds. Là, Alex raconte pour qui sauve les tuer jeunes flanéas quand même, non? Alors j'ai compris que tu es une vipère. Vipère? Oh! Et pas tirer. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce bulletin des formations. Au sommet de l'actualité, un jeune homme a été retrouvé mort chez lui. Alex? Oui? Tu peux continuer ton travail pour le décaissement? Magui, je ne pas avoir. Pour qu'on l'ait dit, si on prend un cheveu dans la tête Mike Raché, la petite ni moins. Ce petit problème est déjà résolu. À l'heure actuelle, il doit être en train de franchir les portes de l'enfer. Magui, attendez. En ce qui concerne Mike, je m'en occupe personnellement. Oui, mais Maggie, pourquoi tu t'acharnes contre lui? Même rapprocher. Un jeune homme a été retrouvé mort chez lui. La victime a été atteinte de 2 balles en pleine poitrine. Un billet de 100 gourdes a été également retrouvé sur son corps. Selon les témoins, il pourrait s'agir d'un crime passionnel. La police, quant à elle, annonce l'ouverture d'une enquête. Restez branchés, mesdames et messieurs, on vous revient après la pause. Non, ma chère bombe de bol, ouais, c'est ça m'a ma voix, c'est ça que notre tout c'est. Non, qui ça? Non, ouais, où vous vivez? Quoi, maman? Où vous vivez, t'as bien à moi? Fais-moi guider là! Ah, ça me tue! Léon, ton cas est sans précédent. La balle s'est logée à 1 cm du cœur. Il n'y a aucune explication scientifique à la trajectoire du projectile. Pour moi, ça tient du miracle. C'est véritablement un message. Pardon? Non, c'est pas vous. Donc, je dois... Définitivement changé de métier. Sorgueil, Solange. Pas comprendre nous-mêmes. Ma chère Annette. Des petits-petits ça a fini passer Borisit là. Moi, perdu confiance en mon Borisit, honnête. Solange, au coin on son c'est vraiment pile. Faites attention, oui, pour moi, n'est pas arrivé. Faut me réfléchir. Oui, Solange. Pourquoi est-ce que tu as une mauvaise idée d'entrer dans la tête comme ça? Annette, Mélissa te dit un bagage qui a attiré l'attention ma pile. Il te dit, c'est le roi qui nage l'empêché. Ça, elle te fin couvri ou? C'est là ça au besoin Jésus. Bah, qu'on est. Bagage ça a ma pile. Mes amis,
Ma principe dit c'est mon frère. On va le faire lumière pour lui parce qu'on a un bon problème. Comment on va penser 11 secondes faire un bagage? Depuis une toute petite bien. J'aime pas faire rien. Et si on seul bagage qu'à reprocher, c'est seulement pas de assez courage pour me prendre position puis faire. Pas de courage. Et je dis à si je mourir, je vais mourir pour deux toujours, pas vrai? Ok, d'accord. Et je crois que quel que soit le sentiment, on est, il ne faut pas quitter le forfait. Et ce femme ça, tu ne pas détruire ni moi ni monde qui est à côté de toi. Je pense que c'est trop tard pour réfléchir à ça. Je ne pas là, je dis à vous expliquer tout ça. Mike. Moi, remarqué ou pas participer. Ma séance encore. L'autre jour, on va faire une interpellation. Un faux pas qu'à faire. C'est la dernière observation pour ton œil. Solange. Annette, je me sens place moins pas ici là encore. Oh! Besoin d'un monde qui peut faire la femme grandir. Qui ça? Ordinairement, papa pas qu'on menace le monde. Si la femme bagarre, il fait le fini. C'est papa, quand qui papa m'a c'est peu chachon à PCFM. FM. Hey! Solange, situation ça bon problème. Li fait comme serré. Gon bagay qui peut arriver. Même pas ka wè sa li. Annette, pour qui ou pas prendre même direction avec moi? Me senti gon force et me pas peur. Moi me peur. M'pè pour moi, m'pè pour vous. Comment vas-tu? Ça va. Tu vas pas qui? Malheureusement, non. Yo mon invité au vin la kayli ou pas même konn ki moun et au vini. En fait, c'est l'offre moi là là, moi on peut nager. Mais je n'ai pas peur de violer. Tu as vraiment le sens de l'humour, Mike. Ah oui, tu trouves? En fait, c'est Béa, l'infirmière qui était au chevet de ton ami à l'hôpital. C'est vrai. Je m'en souviens. Quand vous faites un bagage, en fait, quelque chose à boire. Pas chaud ou même. Fait chaud. Merde, mais watch mon téléphone dans mon boulot, baiser Lucas Johnny, il est toujours occupé. Ça l'a calé même à sonner sa réponse. Foudou.
Sûrement ses cousins. Cousin, non? De bon être jaloux comme ça, non? Ouais. Mon cousin, je vais même réaction à tout. Mais où tu vas? Mike! Oh, garde Jean le fait me saisir. Capable son croisement? Croisement? Quelle action ça? Ou qui t'aime nos cailles pour contre moi? Je compte son zinglin d'eau. C'est pas faux, monsieur. Je dois faire mille et une idée. Seigneur, elle a oublié le mot de passe. Laisse-faire, mon enfant. C'est elle qui a choisi. Elle m'a seulement demandé de veiller sur ses enfants. Je sais que tu devins ses pensées. Elle a peur. Elle est émue, maître. Je comprends tes appréhensions, mais n'oublie pas. Il n'y a que sa foi qui puisse la sortir de là. Assiste-la. Raffermis sa foi. Jésus, sauvez! Oh oh! M'gen l'âme vivant. Hey, petit garçon, où est-ce? Oh oh, madame Zafol, la garde m'a de Simuel. Comment faire qu'on est? Dès que c'est nous-mêmes qui prenons un pour te faire un job. Même bien qu'on est comme ça. Alors, on va prendre une précaution. Max, tu trouves normal qu'on n'ait pas de nouvelles de Mélissa depuis tout ce temps? Je ne vais pas revenir sur ce sujet. Comment ça? C'est de notre fille qu'il s'agit. La réaliste ne parle pas sur ce temps. Je ne la considère plus comme ma fille. Mélissa nous a désobéi et elle ne remettra plus les pieds dans cette maison. Et rien ne fera revenir sur ma décision. Vous vous souvenez de ce vieux personnage à côté? Tout ça, c'est à cause de lui. Mais c'est vrai, c'est vrai. Tout a basculé depuis que cet illuminé s'est mêlé de la vie de Mélissa. On va le montrer une seule fois personnage sans couleur. Que puis-je faire pour toi, mon fils? J'aimerais que vous m'aidiez à retrouver Mélissa, s'il vous plaît. Mélissa, mon jeune ami, est à Marigot. Il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter pour elle. À Marigot? Comment est-ce que vous avez pu lui conseiller d'aller jusqu'à Marigot? Vous vous imaginez tout ce qui peut lui arriver là-bas? À ta place, je m'inquiéterai plus de ce qui peut t'arriver. Tu n'es pas plus en sécurité qu'elle, là où tu es. Et félicitations, mon fils. Vous formez un couple parfait. Mélissa est une fille bien. Oui, je m'en vais dans la jeune.
Ajeune. Oui. Merci, Seigneur. Merci en pile. Après vous-même, qui a retiré la famille là, n'en prend personne l'autre. Merci. Mais Lisa te dit, mon père, qui est important. L'idée dit, oui. L'idée dit, oui. Et, on va servir Seigneur. On va servir avec demain. L'idée dit, Seigneur, c'est Dieu jaloux en pile. Oui. Maman. 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 Maman, fais attention, puis la bagaille ça va m'arrêter. Yo te marre déjà, yo pas ka marre mako. Yo pas ka marre, si yo pas ka marre, pas ka marre tout. Allez, allez, allez. Oh! Annette, c'est moi. Oh! Fais Solange. Elle est pas vivant. Je vais chercher. Oh! Comment ça va mourir? Dans un moment difficile, l'on pas ouais ni devant ni derrière, bon seul mot de passe. Jésus sauvé, pas jamais. Sûr de sortir. Hein? Si pour me pisser passer ça, je te mets je t'aime, qu'on aime pourri. Ah. On allait, ça gagne encore. Anna, Anna, c'est pas moi qui mène nous ici, hein. Anna, c'est pas pour vous chercher. Anna, allez, me regardez. Au fait là, y a tellement de bureaux depuis hier, c'est ça, oui, maman. Vous pensez que je vais continuer à travailler, partager le même bureau avant, pendant quoi que m'impliquer dans une tentative d'assassinat contre vous? Mon cher après Léon finit d'expliquer, me comprendre. Même si tu es combat, hein. On n'a pas de jambes qui ton femme fait le fait, ça le pas envie fait. Ensuite, pour Maggie, j'ai été mis au courant. J'espère que son âme ira au ciel. T'as toujours pas de nouvelles de Mélissa? Non. C'est justement elle que je m'apprête à aller chercher. Bye. Je vous donne, chaque mon gros sont bas. La game la bataille là et puis m'ba jamais moi encore. C'est pas faute moi Solange. Mission prend tout temps. C'est ça que fait me dit avant m'entrer porte au prince faut me venir ouais. C'est bien là que vous n'allez pas. Ou abdomi avec ma soeur. M'ba pas capable Solange, faut m'entrer porte au prince demain. Oh. Mais ou ap manger avec? Pas un problème. On est bien content. Petit. M'ai besoin qu'on prie, montrez-moi prier non. Petit amour, vous connaissez moins qui domine les zones, non? Depuis c'est moins qui l'en zone, non? Tout l'en Jésus. Depuis pour parler en Jésus, bah, m'en blanche. Soulange, ou pas qu'on doit faire comme ça? Ou pas qu'on doit ça, non? Chaque monde libre pour choisir conviction. Oui, mais encourager monde faire bien, c'est tellement grand, c'est tellement belle. Méchanceté et malhonnêteté, pas mérité aucun effort. Oui, Soulange, mais chaque monde libre. Bon, nouvelles amours, là, comment on est là encore? Annette! Annette, viens me parler! Ma tante Solange, monsieur là, qui est là, il prend ma mime, il pas jamais tourné avec. Où Jésus de Nazareth? Je suis perdu, Annette! Oh no!
Non, ou pas capable. Faut pas oublier, c'est seul Jéhovah qui place du très bonheur. Pito, m'a dit bon Dieu, secoue le pito. Si vous faites ça, vous pouvez contourner dans la bataille là. Éternel papa, fais ici moi là. Mais quand diabolique là, il mange ses là. Et ça dit loin là. Bédi Annette. Solange. Bédi Annette, Annette, pas de dimanche. Bédi Annette, sans faire Annette, pour le suivre. Pas de vle, Bédi Annette. Ok, Solange. On prie, on prie. On prie. Okay. Notre Père qui est aux cieux. Ah, pour faire mes radios. Moi, la musique, ça a rappelé de mauvais souvenirs, c'est vrai. Je vais raconter. Moi, je n'ai pas d'événement à faire complot magique contre lui. Et quand tu gagnes sur le quartier à ma petite qui est sans succès, il est même dans le téléphone un jour et puis il dit moi, Alex, je suis toute seule à la maison et je m'ennuie affreusement. Viens donc passer un bon moment avec moi. Pas besoin de jouer, je vais chercher en l'air. Je courir, je descendre l'escalier à ma journée. Et puis c'est juste ma musique, ça me tape fou. L'esprit me bouleversé, pas attendez. Et puis mon cher, devinez sous qui est ce mal, pantin qui campait dans mi temps qu'elle a là. Mon cher, Léon, le tueur, bien mauvais. Pas besoin, ouais. Qu'on saute. Et puis m'avancer sur monsieur, me dit comme ça. Va-t'en. Mais que je ne te retrouve plus jamais sur mon chemin. Mon cher, m'avancer sur monsieur encore, puis me frapper dans les sommets. Et puis me dit, et puis m'avertir. Si on branche cheveux dans la tête, m'a craché. Ma fille ni où, ni madame. Mais la madame de Bichoche là. Ah, je ne sais pas. En tout cas, elle ça me dit ça. Comment ça me dit ça? Non, frère, on a dit. Mon cher, c'est comme ça, monsieur, vous un petit coup de pied. Vous venez tomber beaucoup trop là, moi, raconte une histoire. Mais ça, elle est pas quoi, moi. Pas quoi? On m'a tout éloué. On m'a tout éloué, et puis. Non, c'est une belle histoire. Tu es venu me chercher? Oui. Et comment as-tu su où j'étais? Je me suis renseigné. Mon cœur ne pouvait plus souffrir. Moi, j'ai commencé à souffrir depuis le jour où je suis partie malgré moi. Eh bien, rentrons. Mettons fin à nos souffrances. Rentrons à la maison. Allons prendre mes bagages. Mon père m'avait dit de ne plus remettre les pieds ici. Alors, viens, je suis sûr qu'il t'attend. Mélissa! Tu m'as désobéi! Pour obéir à ton Dieu. J'ai combattu le bon combat de la foi. Et comme l'apôtre Paul, la couronne m'est réservée. Comment vas-tu, Alix?
Mike. Ha 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 ha!